Mais semble qu'on commence à être dans l'esprit du temps des fêtes, tranquillement, pas vite, avec celui. Ouais. D'ailleurs, tu ressembles à un arbre de Noël d'aller côté. Salut, Sylvain. C'est beau, tu es tout un beau gilet rayé. Oui. Hein, c'est vrai. Ben, j'ai expliqué aux gens aussi qui sont à l'écoute actuellement, Danny est toujours assorti au goût du jour. Mais je fais avec ton micro. Ah, ben c'est ça. Avec c'est mon étiquette que j'ai mis sur le micro. Bon, sérieusement, nouveauté country pour ce vendredi à Danny. On va commencer avec les grosses pointures du côté anglophone. Brett Kissel, ça commence solide. Ben oui, chanteur albertain qui nous présente une nouvelle chanson, Wannabe, qui en plus est en nomination au Canadian Country Music Awards, qui aura lieu la semaine prochaine, le mardi le 29. Il est en nomination dans la catégorie Album Country de l'année, Chanteur de l'année et Vidéoclip de l'année. Alors, c'est du Brett Kissel, du bon pop New Country canadien pour Brett Kissel, qui en plus demandait aux fans la semaine passée sur sa page Facebook. Il est prêt à partir en tournée à travers le Canada. Donc, il demandait aux gens d'inscrire la ville auquel il pourrait donner un concert. Alors, avis aux intéressés, la Beauce, le Saguenay, le centre du Québec. On aimerait ça le voir l'année prochaine. Non, mais t'as-tu inscrit ton coin de pays? Ben oui, j'ai été inscrit à mon nom quand même. Puis on veut qu'il y ait le centre du Québec. Et puis, il va te répondre. Oh, Danny Côté. Ouais, c'est Hit ça. Hit Country. Ah, c'est bon ça. Joe Nichols maintenant. Eh oui, grand retour pour lui. Il va nous présenter le 11 février prochain un nouvel album, Good Day for Living, premier extrait Screen. Un petit tournant musical pour Joe Nichols, beaucoup plus pop qu'auparavant. Puis en plus, sur ce nouvel album-là, il va y avoir un duo avec Blake Shelton et la chanson a été composée par Chris Jensen. Donc, c'est à surveiller. Mais au courant de la prochaine semaine, Joe Nichols, c'est vraiment très, très bon. Là. C'est à surveiller ça sur Hit Country. Et pour le franco, ben, quelqu'un que l'on connaît dans un style autre que le country, mais maintenant, il s'inscrit très bien dans ce style-là, c'est David Jalbert. Ben oui, auteur, compositeur, interprète, folk country, la chanson pour nom « L'amour est ponctuel », une belle histoire d'amour, c'est accrocheur. Alors, c'est à surveiller ça, David Jalbert, c'est une belle chanson. Puis en plus, il sera avec Véronique Labbé. Oui, c'est vrai. Alors, espace country. T'as entièrement raison. Donc, pour l'émission de dimanche, présentée sur les ondes de votre radio préférée à 8h le matin, on se complète bien. Oh, c'est beau. Kevin Chouinard, maintenant. Ben oui, hein, auteur, compositeur, interprète, un mélange de pop, de rock, de country qui nous présente pareil comme hier. C'est vraiment accrocheur encore une fois. Il faut toujours une petite chanson, comme petit beat pop là-dessus. Là. Alors, c'était surveillé sur Kevin Chouinard, pareil comme hier. T'as gâté les gens sur une partie du réseau au cours de la semaine, mon torpinouche avec des beaux billets de festival, d'ailleurs, qui sera surveillé, si tu peux. Ben oui, le New Country Music Night à Sainte-Séraphine. Donc, on a donné des billets tout au long de la semaine. C'était la folie furieuse pour ce beau festival qui sera présenté en juin prochain au Centre du Québec. Oui, puis je te comprends donc. Puis parlant de gâter nos gens, là, j'en dis pas plus long pour le moment, mais à compter du 1er décembre, ça, je peux le dire. Ça sent bien, ça, le 1er décembre. Le plus gros concours dans l'histoire de Hit Country. La seule chose que je peux vous dire tout de suite, Danny, c'est que les gens peuvent s'abonner à l'infolettre sur le hitcountry.com parce que déjà, vous allez pouvoir recevoir à l'avance ce qui vous attend comme nouveauté avec notre site et aussi le concours qui va débuter le 1er décembre prochain. J'en dis pas plus, j'ai déjà volé le punch, ou presque. Et aussi, Travis Cormier pour notre balado-diffusion qui est actuellement disponible soit dans la zone VIP ou zone vidéo du hitcountry.com. Avec tout ça, avant que ma face vienne bleue, parce que je suis en train de manquer d'air. Mon cher Danny. Bon week-end! Bon week-end à toi aussi, puis on se reparle avec plein de nouveautés sur Hit Country. Vous êtes gâtés, mes chanceux. Vraiment. Alors, bon week-end à tous et toutes. Bye-bye! Salut!